mais il va pas se barrer quand même. Voilà, parfait. D'électricité, ça je vais peut-être l'activer, ça pourrait être pas mal. Allez, on va transporter tous les Maccabées à la décharge, ce sera très bien. Ce qui serait bien aussi, c'est qu'on construise du coup le la chambre de, comment dire, la chambre froide. Alors, pour la chambre froide, je fais un couloir comme ça. Non, peut-être pas comme ça. Voilà, on va faire un truc comme ça. Les cadavres, pour enfin les... Pardon. Voilà. Ici on mettra donc tout ce qui est dépouille. Et ici on mettra tout ce qui est réserve de nourriture et tout. C'est qui notre forestier? Notre fermier également. Ah, qui est également notre cuisinier. Donc on va peut-être... On va te passer cuisine en deuxième. Ah, mais constructeur... Constructeur en deuxième également. Ok, il n'y a pas de marchand. Pourquoi ça déconne ça?
Ok. Toi, t'as été patte avant gauche déchirée. Ok. Toi, ça va plus ou moins. Grizzly, on s'en fout. Notre médecin, c'est qui? Jackson. Me demande, il y a eu la patte déchirée. Est-ce... Est-ce que je peux pas lui ajouter... Non. Ah non, je vais pas lui filer de la drogue. Lol. Oh, guichon mignon. La femme et le cocu. Ou c'est l'inverse, je sais plus. Il nous faut quelqu'un pour alimenter ça. Hein. Sinon, on fera plus de nourriture. Ça sera un peu emmerdant. Du coup, pour l'instant, on produit assez avec ça pour activer tout. Putain, ils lui ont donné carrément l'ours à bouffer directement. Lol. Pas prêt ça encore? Ah non. Capsule de sauvetage. Social, tu connais personne. Il nous faut une autre cellule. Alors, tu connaîtrais quelqu'un. Il n'y aurait pas de souci, je te prendrais en... Je viendrai te secourir. Tu connais personne, je te capture. Et du coup, on va essayer discuter pour recruter 12 de résistance, ça devrait le faire. Elle a quoi comme blessure? Perte de sang, taillade, poignardée et lumbago. Il nous faut des herbes médicinales, ça c'est sûr.
Ok, donc on se fait attaquer. Ils attaquent immédiatement. Oh, il est juste équipé d'un couteau. Donc je vais juste le suivre, puis on verra bien. Ah merde, putain, c'est vrai, t'as plus d'armes. Ah, oh, mais quel boulet. Ah, il est là, ton arme. Hop. Voilà. Merde. Ah, bordel. Non, non, non. Ouais, parfait. Le pauvre, il s'est fait tailler dans le dos, quoi. Tout ça parce que j'ai oublié de lui faire reprendre son arme. Ouais, sa santé est pas en danger, c'est bon. Nickel, il fait du transport. Maintenant, on va le... Donc, il fait du transport. Donc, déjà, en transport, il y en a un... Hop, voilà, moins de transport pour lui. L'animal va moins vite, transporte peut-être un peu moins de choses, mais c'est pas grave. Enfin, plutôt, il fait des pauses entre chaque transport. N'éclate pas le médecin, s'il te plaît, avec le Mufalo. Ok, donc si t'es plus incapable de marcher, tu vas aller récupérer ton arme qui est je ne sais pas où, là. Porter, ouais, ok, c'est bon. Ok.
Donc toi, première chose que tu vas faire, c'est secourir elle. Toi, c'est bon. Ça, la galère. Ils n'ont pas le temps de se soigner, qu'il y a déjà un autre problème. Ah non, il est si amical, de toute façon, j'ai même pas encore ce qu'il faut. Repos, repos, je vais peut-être te mettre ça en deux. Plein de trucs à faire. Ok, nickel, enfin un qui est totalement guéri. Donc le repos, je peux te remettre en priorité. Et tu sais, maintenant, c'est bon. Et du coup, après, la technique, en fait, c'est de... Cette zone de stockage est accessible aux animaux, mais les zones ici seront pas accessibles. Et du coup, les animaux viendront déposer tout ici, et les colons, après, redispatcheront tout dans les bonnes réserves. Comme ça évite que les animaux viennent bouffer les réserves. Capsule de cargo, de la laine de buffalo, c'est pas mal. Normalement, au niveau température, ici ça va. Ici ça va pas trop, mais bon, c'est parce que c'est encore ouvert là. Ah bah on a de la... On a ça, c'est pas mal.
Alors, notre meilleur en... Pour ceux qui sont debout en social, c'est lui. Ah, ils font que passer. Alors, voyons. Plate en métal, non, c'est pas trop c'est pas trop mon délire. J'ai pas assez de sous parce que... Ah si, j'ai peut-être des trucs à vendre. Et là, je vends ça. Ah bon, ça rapporte pas beaucoup. Je vends ça. Je vends ça. J'ai rien d'autre à leur vendre. Je pourrais acheter des arcs, mais honnêtement, je sais pas trop. Je vais prendre un arc composite. Non, un arc bon. Un arc court. Je pense que je vais prendre un loup arctique. Une femelle. J'imagine que le deuxième. Non, je peux pas prendre le deuxième. De toute façon. Ça m'étonnerait que j'arrive à faire des croisements entre Labrador et loup arctique, alors que normalement ça devrait être possible, mais bon. Non, c'est transport, zone animalière. Toi ensuite, tu vas peut-être récupérer l'arc. Donc maintenant, on sort ça de la zone animalière. Le reste, c'est bon. Ok. Ah, il me faut aussi un ventilateur ici pour mettre à zéro la température là. Zéro ici, moins de 10 par là, je dirais. Je sais pas, il y aura. On verra. Ce qui est sûr, c'est que là c'est congelé. Là ça sera. Non, là ça sera peut-être moins 5 et là ça sera 0. Une éruption solaire, ok. Donc j'ai plus rien d'électrique qui marche. Pour le moment. Voilà, zone de mariage, je pense que je ferai ça. Ici, ça sera pas mal. Pour la fête, ici. Préparer les caravanes ici. Skater, je pense que je l'utiliserai priorité nettoyage et tout le reste après, on verra. Il nous faut vraiment quelqu'un pour le nettoyage. Ah, c'est vrai qu'il faudrait peut-être que je construise un autre. Un truc en peau de buffalo. J'ai pas assez.
Ah ouais. Cuir de cochon. Ce sera bien. Je vois pas se lever souvent lui, pourquoi? Ah bah oui. Il est en plein sevrage donc il va pas se lever. Ensuite, faudra que je prévoie une salle, peut-être ouais, peut-être ici, pour les tout ce qui est médecine, quoi. On s'en fout, on produit pas d'électricité grâce au soleil, donc. Ça c'est bien, il va commencer à construire. Ça y est, on va avoir des petits plats qui vont être faits, ça y est. On arrêtera de manger de la nourriture crue. La température va enfin baisser à l'intérieur. Ce que je vais faire, c'est fermer ici. Comme ça, je garderai ça ouvert à l'air libre. Puis là, comme ça, la chaleur se barre et puis ça rentre pas dans le reste du bâtiment. Une sorte de cheminée, on pourrait dire. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas d'aimer, de commenter. Et puis, si jamais t'as envie de voir la suite des vidéos, de t'abonner. Allez, tu peux reprendre une activité normale. J'aime et vous aurez du gâteau.